Yo? Yo? Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Dodgeball Academia. Alors, la dernière fois... Attendez, oh là, mon fil il s'est emmêlé. Oh là 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 là, j'ai tout mêlé. Voilà. Non, pas bon. La dernière fois, on était arrivé où? Je sais plus. Mais on va bien voir. Hop, charger la partie. Tac. C'est parti. Bonjour Otto. J'ai rêvé qu'une énorme baby ball me mangeait. Ah oui, on avait été chercher les baby balls. Ensuite, je me faisais quoi? Excréter sous forme de café. C'était génial. Sers-toi de cette caféine onirique pour te booster avant le match du tournoi du jour. Très bien, sortons des starting blocks. Alors, secret fantomatique. Hop, un ballon. Ah, une lettre. Eh, c'est quoi ça? Désolé, j'ai éternué. Alors, une autre lettre et même pas cachetée. Les gens ne mettent plus de cœur dans ce qu'ils font. Ah, les amis. Eh, Otto? Non. Eh, Otto a reçu une autre lettre. Ça dit quoi? Voyons voir. Ça dit que je dois me rendre à la pierre tombale dans la forêt seule. Le mot seul est souligné 7 fois. Moi je dis qu'on devrait interroger la dame de la cantine. Sur le champ. Ouais, en prenant le petit déjeuner, allons-y. Toujours pas de courrier? Ah bah si, on vient de le recevoir, le courrier. Mais c'est bizarre. De recevoir une lettre comme ça. Je regarde hein, s'il y avait des combattants. Ça s'est adapté. Oui, comme j'ai changé de manette, ça s'est adapté. Mina, c'est l'heure de notre revanche. Ah oui, c'est vrai, ça faisait un moment que j'avais pas joué. Ok. Vas-y, balance. Ouais. 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 Oh, joli. Dans sa tête. Allez! Ah!
assez fort. Et allez. Eh ben, ça commence bien. Et pourquoi on est que deux? Baudruche a appris haute pression. Son tir normal transperce à présent les adversaires touchés. Super. Sauf que Baudruche, son tir tourne sur lui-même, donc... Mince, j'ai encore beaucoup à rattraper. Elle a dérouillé, elle, quand même. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc... Ah oui, c'est vrai, on doit aller voir la dame de la cantine. Hé, hey, t'es au courant, un nouveau tournoi clandestin va commencer dans le repère de Big Tony. Vas-y si tu te sens d'attaque. Et ben, on ira faire ça tout à l'heure. On va aller voir infirmière Joël. Bonjour. Au revoir. Alors, là d'habitude il y a des compétiteurs, on va dire. Il n'y en a pas. Toujours pas de clé. Attendez, comment... C'était comment la map? C'est ça. Ah, ok. Alors, il y a des mecs qui m'attendent à l'entrée. D'accord. Sauf que... Comme tous les jours... Je suis invincible aujourd'hui, j'ai bu des litres de café, c'est parti. En garde. Ah oui, direct. Attends, tu m'as déjà pu le verre. Ah ouais, Ah oui, il est niveau 30. Je suis niveau combien? Ah, je suis niveau 34. Ah, mais ça va pas. J'ai appuyé pour attraper, mais j'ai pas le réflexe aujourd'hui. J'avais un PV. Alors, Choi a appris intempéries. Les tornades de son ultivol durent plus longtemps. Ok. Aïe, tu as gagné. Tu verras la prochaine fois. Un diadem crâne. Un jus de myrtille. Attendez, je bois un coup. Pardon. Allez, on est parti. On va faire une quête annexe, on va aller faire un tournoi de football.
Personne dans la rue, non. Hop, un ballon. On va devoir Big Tony. Ah non, c'est là. Alors, qui on va affronter? Tu es prêt à commencer le défi? Rappelle-toi de mettre ton joueur préféré en tête de ton équipe. C'est parti. Ah, j'ai oublié d'appuyer. Et voilà. Fantastique. Tiens, voici un lot de consolation. 2,50$. On continue. Ouais. C'est l'heure de ton prochain match. Attaque spermatozoïde là. Allez. Par contre, on peut pas se remettre de la vie même, entre deux. Soda au citron. Fantastique. Tiens, voici un lot de consolation. 4$. On continue. Ouais. C'est l'heure de ton prochain match. Est-ce que je garde la même énergie ou à chaque fois ce nouveau match, un nouveau... Ah non, putain, j'ai plus d'énergie. Et voilà, j'ai perdu. Bien, bien fort, tu feras mieux la prochaine fois. Ah non, c'était là en fait. D'accord. Il faut que... Et Otto, tu te sens prêt pour un vrai défi, le tournoi clandestin? Les règles sont simples, un seul joueur entre et il doit enquiller les matchs. On ne peut ni se reposer, ni changer de joueur, juste combattre. Et on joue sur un coup ouvert, bien sûr. Si tu veux révéler un, va sur le coup. D'accord. Attendez, je regarde, 21.
Allez, on réessaye une fois, on verra bien. Je vais voir si c'est combien. Si c'est 3, c'est chaud. Enfin, si c'est 3, ça va. Si c'est plus, c'est chaud. Parce que les mecs, ils ont l'air d'être niveau... je sais pas s'ils s'adaptent, je pense pas, puisque je crois qu'ils sont niveau plus que moi, en fait. Ah, je me suis fait... Voilà, j'ai perdu. Ah non, ça va pas. Ça va pas. On réessaye une fois, je vais essayer avec le avec Mina, je crois. Ah merde. C'est n'importe quoi. J'arrive même pas à lui prendre si... Oh mais le... C'est bon. Mais relève-toi. Putain, je fais n'importe quoi, ça me saoule. Je suis pas prêt de gagner. Bon bah non, on va arrêter, on va aller voir l'autre là, comment il s'appelle. On va aller voir ah, j'ai oublié son nom. Infirmière Joël. Et après on ira voir la dame de la cantine. Et voilà. J'aurais peut-être même pas dû aller à l'attaque. J'aurais dû attendre qu'il m'envoie les ballons et les renvoyer. Regarde. Allez hop, c'est bon. J'ai vu que je pouvais passer. Je le ferai plus tard. Enfin plus tard, je sais pas quand est-ce que le jeu se termine, mais... Peut-être quand je serai plus haut niveau, je sais pas. Parce que là, hein, je suis tout seul. Il me demande de mettre mon meilleur joueur. Mais eux, ils peuvent être plusieurs. Ouais, c'est chaud. Surtout que là, j'ai du combat en plus. Je te trouve adorable, on fait un match. Bizarre ça, non? Ah
Tu peux peut-être me donner ton numéro? Non mais... T'es sérieux là? Je devine que vous venez de me demander quelque chose, j'écoute. Pour qui avez-vous écrit cette lettre? Elle n'est pas de moi. Regardez les cursives, les soulignements, les choix sinistres du lieu, le choix sinistre du lieu de rendez-vous et les points d'exclamation. Ça vaut 4 sur 10. Hein? Alors qui a écrit ça? Je sais pas, prenez votre petit déj et oust. Allons dans la forêt, vérifiez ça. On restera pas loin pour pouvoir intervenir au besoin. Ouais, d'accord. Allons voir les scribouillards qui écrit des lettres de menace. Bah oui, c'est ce qu'il fallait faire dès le début. Non. Je vais pas passer là. Je vais passer de l'autre côté. Je perds du temps en marchant là, mais je pense que ça ira plus vite que faire... Ah, quoique. Je sais pas c'est quoi le chemin le plus rapide. Bon, tant pis. Allez! Ah oui, on peut pas l'ouvrir. Je me promène dans la forêt. Et c'est pas là. Il m'a dit. Ils ont dit une tombe. Ah oui, les tombes, c'est en bas. Non, c'est où? Alors, d'après où je dois me rendre. Je dois me rendre ici, au-dessus. Enfin, c'était proche de l'entrée, donc... Bon, j'y vais. Bonne chance, Otto. Alors, tu es venu comme je l'avais prévu. Oui, c'est à quel sujet? Je te défie en duel, Otto. Oh, c'est tout, tu aurais pu me demander, je me ferais une joie de t'affronter. Non, la prophétie disait qu'il devait en être ainsi. Prophétie. En tout cas, ça me va, on commence quand tu veux. Très bien, prends ça, Otto. Bon. Apparemment, il y a un duel. On a le même point de vie. Même niveau. Ah, j'ai pas vu, je suis pas un ballon. C'est quoi ces balles fantomatiques là? Attends, c'est sérieux? C'est quoi ça super? Je peux rien faire. Tu ne peux pas vaincre mes pouvoirs de prémonition, Otto. Je l'ai vu dans les étoiles. Tu vas perdre le match de tournoi d'aujourd'hui, c'est déjà écrit. Je vais économiser ma salive en prévision de notre victoire imminente. Est-ce que vous avez vu ça? Ouais, tu t'es pris une raclée. On va tous se prendre une raclée si on ne trouve pas un moyen de se défendre contre ces attaques. Oh! C'est sérieux? Oh non, pas eux. C'est vous? Ouais. On a eu la chance d'avoir un aperçu de ce que réservait la journée. Fa
va être amusant à regarder. De la chance, après tout le mal que je me suis donné pour lire cette lettre avant eux. Ouais, tu as raison. On aurait de la chance si tu pouvais te taire pour une fois. Eh mec, pas besoin d'être si désagréable. Ça crevait les yeux que la lettre avait déjà été ouverte. Ouais, tu vois bien qu'Otto a raison, pas vrai, Aniki? Si tu es tellement d'accord avec lui, pourquoi tu passerais pas dans son équipe? Ouais, peut-être que tu veux te faire ratatiner par Luna, toi aussi? Eh, il a mieux parlé. On doit trouver comment se défendre contre Luna. Perdre au tournoi, c'est une chose. Mais se faire vanner par ces types, hors de question. Le professeur Fortunato est un expert en matière d'ultiball et de techniques secrètes. Et c'est une super idée, allons lui demander. Putain, je veux devenir un lapin ninja comme à la télé. Admire mes techniques ninja. C'est ninja. Ah merde! Double élimination! Allez, boum, dégage. Je ferais peut-être mieux d'apprendre les techniques de Renard Ninja. Ouais, les techniques de Renard Ninja. Ah ouais, non mais d'accord, j'ai pris le mauvais chemin, clairement. On va aller soigner Mina. On va changer l'équipe. Ok, ça va jusque 50. Équipe. Voilà, c'est bon. Allez, on est Darty. On va aller voir le professeur Fortunato, j'avais pas vu que c'était écrit en bas. Allez, professeur, aidez-nous à gagner. Waouh. Double esquive. Eh, veux-tu aller voir ce qui se passe dans les toilettes pour moi? Un élève s'éternise apparemment, je veux dire beaucoup plus que d'habitude. Je veux bien, c'est où les chiottes?
Toilette. Toilette, 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 c'est pas là. Ce sera en face. Aïe. Toilette. Ouais. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Eh, tu me fais peur. Je viens toujours ici pour réfléchir sans être dérangé. J'ai inventé un nouveau jeu de dodgeball au tour par tour. Tu veux jouer avec moi? Explique-moi les règles. Dans ce jeu, on choisit une action simultanément à chaque tour. On peut choisir de lancer un ballon, d'intercepter un ballon lancé ou d'accroître notre concentration. Pour gagner, tu dois toucher ton adversaire ou atteindre le niveau 3 de concentration. Bien sûr, certaines règles classiques du dodgeball s'appliquent. Il n'y a qu'un nombre limité de ballons à lancer. Il faut donc l'intercepter lorsqu'on n'en a plus. Si deux joueurs lancent en même temps le ballon, rebondissent et reviennent au lanceur. Dernière chose, tu ne peux pas te concentrer si ton adversaire n'a pas de ballon en main. J'ai inventé un nouveau jeu de dodgeball. Jouer niveau 1. Alors, quelle action veux-tu lancer? Intercepter. Vous avez dû essayer d'intercepter sur le rayon, d'accord? D'accord, c'est une sorte de pierre feuille ciseau en fait. Tu as été touché, tu as perdu. Quel dommage, reviens me voir si tu veux refaire une partie. D'accord. Ah, c'est cool ça, son jeu. Allez, on est parti. Alors, je vais me concentrer. Ah, j'ai perdu. Cool, j'ai gagné un slip. On peut jouer à un niveau plus élevé la prochaine fois. Tu veux jouer au dodgeball de tour par tour? Ouais, niveau 2. Intercept. Hop. Lancé. J'ai gagné. Un sous-vêtement plus long. Ballon en main, 3. Hop, intercepté. Ok. Lancé. Comment ça, tu n'as aucun ballon? Quelle action choisis-tu? Bah, intercepté. Intercepté. Lancé. Un sous-vêtement gênant. Le mec qui me file que des slips en fait. Ah mais j'ai gagné. Tu as réussi tous les niveaux. Je devrais peut-être retourner en classe. Non, je vais rester encore un peu. Et ben voilà. J'ai bien aimé son dodgeball en pierre papier ciseaux là. Alors, professeur Fortunato. Oui, les trois autres, je vais les affronter après. Fortunato, c'est pas là. Non, c'est pas là. Fortunato, Fortunato, c'est pas le premier. Si, c'est ça, c'est plus le livre. Professeur, on doit apprendre à se défendre contre l'attaque secrète de Luna.
je me réjouis de voir que tu viens me soumettre une telle requête, Otto. Naturellement, étant l'un des professeurs, il serait malhonnête de te révéler leurs secrets des élèves et autres. Ça, c'est plutôt pour les médecins. Passons en marche et montre-moi que votre équipe s'est entraînée d'arrache-pied et je vous donnerai des conseils. Un défi, on accepte. Très bien, voici mon défi de défense. Un défi de défense. Aïe! Non, j'ai perdu le... J'avais perdu le truc. C'était une très bonne séance, mes chers élèves. À propos de l'attaque de Luna, voici ce que je peux vous dire. Il n'y a pas meilleure source de connaissances que les écrits. Vous nous conseillez de feuilleter des livres? Peut-être. Aussi bien feuilleter les livres que les connaissances vont voler à la bibliothèque. Venez me voir quand vous voulez pour retenter le défi. Ah non, on doit aller à la bibliothèque. Bon bah go bibliothèque alors. Eh, je parie que tes coéquipiers ne sont qu'une bande de prétentieux. Alors là... T'as osé traiter mes coéquipiers de prétentieux? Déjà, tu caches pas derrière tes robots. Quand tu veux, tu balances un ballon. Ah non, mais il est bugué! Il est bugué ou quoi? Ah merde. Merde, je fais n'importe quoi! Viens, meurs! J'ai appris une bonne leçon. La tête de Baudruche me paraît bizarre. Bien passé. Non, sérieux, comment elle marche la tête à Baudruche. Le perdant devra affronter le fantôme des toilettes. J'étais aux toilettes, j'ai pas vu de fantôme. Oh lolo. Thank you.
Ah, j'ai bouffé, j'ai du mal à attraper là-bas. Ok, tout à l'heure j'ai réussi, j'étais concentré. Ah, en fait, j'ai plus. Ils ont plus de. De protection. D'objets. Tsuneko a appris peau de gomme. Torture normale gagne en effet gomme collante. Pardon. Ouais, je vais remettre des objets. Pas question de m'approcher. Que je m'approche des toilettes, non, monsieur. Alors, équipement. Sous-vêtements gênants augmente la force de 120%, 125%, mais réduit tes PV max à 1. Bah non. Augmente la force de 60%, mais réduit les PV max de 50%. Bah non. Accélère le remplissage du multiball de 60%, mais réduit les PV max de 50%. Bah non. Restaure les PV à hauteur de 25% des dégâts infligés aux adversaires. Augmente l'impact de tes coups et qui immobilise les adversaires plus longtemps et facilite les combos. On manque la force de 10%. C'est lui qui est en mode soigneur. Soigner tout seul. Qu'est-ce que je. Non, je vais faire ça. Hop. Tac. Là. Magnifique pendentif. Remplis 55% de la jauge de ultiball au début du combat. Ça, ça peut être cool. Immunise contre la gomme collante. Ouais. Inflige une malédiction aux adversaires ayant subi des dégâts, ce qui les empêche de récupérer des PV. C'est cool. Augmente la gym, immunise contre les brûlures. Augmente la force de 50% quand tu joues près du centre de la cour. Et réduit quand tu restaures tes PV à hauteur de 20%. Des dégâts infligés aux adversaires. Ah merde! Accélère un passage multiple mais réduit la force et la gilet. Augmente la force de 20 quand tu es dans les airs. Augmente ta force de 32. Que tu n'as subi aucun dégât. En plus, le jeu au début du combat, on va mettre ça. En plus, t'as quoi? Augmente la force de 35 si tes PV sont au niveau. Sont à un niveau critique. Restaure tes PV à hauteur de 20% des dégâts infligés. Je vais peut-être mettre ça. Augmente la force de 35 tant que tu. Non, pas ça. Augmente ta force de 20% quand tu es dans les airs. Ouais, ça c'est bien. Allez, on est parti. Direction la bibliothèque. La bibliothèque. Aujourd'hui, on a un tournoi de. On a un match de tournoi de dodgeball. Otto, j'espère que tu as oublié mon mot de passe maintenant. Sinon, je vais devoir te faire oublier de force. Oh là là, je gros. Qu'est-ce que tu me veux?
Merde! J'ai de la chance, lui, hein. Bam! Bam! Oh! Je n'arrive pas à me rappeler comment je comptais t'effacer la mémoire. Par contre, on va retourner voir l'infirmière Joël parce que... on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va arriver à l'intérieur. Et vu que j'ai plus de vie... La bibliothèque. Alors, bonjour madame. J'aimerais des infos sur les prémonitions et les étoiles, les visions, tout ça. Descends consulter la section pseudo-sciences tordues. Pourquoi vous avez une section là-dessus? Nous avons une section sur tout. Et puis certains clubs nous le demandent. Enfin bref, je cherche la section caréiste. Il n'y a même pas trop que la bibliothèque soutienne le pseudo-science si ouvertement. Ah, on a l'autorisation d'aller en bas. Ah ouais, c'est glauque. Eh, c'est Naya. Elle fait partie de l'équipe de Luna. On devrait peut-être lui parler. Je savais que vous viendriez. J'ai senti votre vibration au travers de la porte d'entrée. Ah ouais, sérieux? Otto ne la croit pas. Il est sceptique. Oh, désolé. Des mauvaises ondes ont occulté ma vision. Est-ce qu'il fait là serait-ce un piège? Y'a rien. Putain, ils auraient pu mettre un coffre. Salut, j'en ai marre de mes Aniki, ils ne font que se plaindre et me traiter d'idiot. Vous avez l'air bien plus honorable et tu as été cool avec moi tout à l'heure, Otto. Vous m'acceptez dans votre équipe? Bien sûr. Quoi? Je le sens pas trop, Otto. Ouais, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Vous pourriez dire non à ce visage d'ange? Sans problème. Allez, je m'occuperai bien de lui. Je serai bien sage, quoi. Comme quand il m'a volé mon badge. J'avais de mauvaises fréquentations à l'époque, quoi. Ouais, non, on commencera pas. Sauf si vous me le demandez. Arrachant ce joueur de dodgeball repenti à la mauvaise influence de son ancienne équipe. D'accord, bande de pleureuses. Ouais, bienvenue dans l'équipe. Kiabo a rejoint l'équipe. Tu peux maintenant jouer Kiabo dans le mode versus. Tu peux y accéder depuis l'écran titre. La famille, c'est sacré pour moi, merci quoi. Bon, pourquoi on est ici? On essaie de trouver comment... contrer le coup spécial de Luna. Naya trimballait un livre sur les mystères de l'école.
ça pourrait être une piste. Et si on suivait les équipes de Luna pour découvrir ce qu'il prépare? Les techniques d'espionnage ninja devraient nous permettre de le découvrir. C'est un bon début, allons-y. Des techniques d'espionnage ninja. Alors, où croyez-vous que va Naya? Si elle s'intéresse aux mystères de l'école, on ferait bien d'enquêter là-dessus. Je connais tous les mystères par cœur. Je n'ai pas besoin de ce livre. Il y a deux bonnes façons de commencer. Le fantôme pousseur qui vit sur le toit du bâtiment principal. Et les spectres sylvestres. Flippant. Ouais, ce sont des anciens qui m'en ont parlé quand je les ai aidés à traverser la rue. Je croyais que t'étais un voyou. Je leur ai fait traverser les rues comme un voyou, quoi. Alors c'est pour ça que cette vieille dame refusait que je l'aide l'autre jour. En tout cas, on peut commencer par aller voir ces deux endroits. Alors, bah on est à côté, on va aller voir les... Les trucs... Pardon, les sylvestres. Alors, Sylvestre. Pas ici. Bien, on ne doit plus être loin. Plus loin de quoi? Des spectres sylvestres. Ce sont les esprits vengeurs des morts. Ça ne pouvait pas être les esprits super sympas des vivants pour une fois. On raconte que des gens se sont perdus dans ces bois et qu'ils ont dû se résoudre à manger leur propre ballon. C'est tout? Je croyais qu'ils avaient dû, je sais pas, se manger entre eux, quoi. Bah non, ce serait vraiment dégueu, quoi. Bien, jetons un coup d'œil. J'ai vu trois passer, là. Quelque chose m'a frôlé la joue. C'était peut-être juste le vent. Ne dis pas ça, Otto. Dans les films d'horreur, c'est toujours... Pardon, c'est toujours ceux qui disent ceux qui crèvent. Ah, mais c'est des autos, des... Vous voyez, on va tous mourir parce que vous n'y connaissez rien dans le film d'horreur. Quand je vois des enfants perdus dans les bois, je ne peux pas m'empêcher de hurler. C'est des Dodgebots. Otto a appris persévérance incandescente. Les dégâts de brûlure de tir chargé durent plus longtemps. Choi a appris désir farouche. La jauge d'ultibol se remplit un peu plus vite quand tu n'as aucun ballon. Je les ai trouvés plutôt fermes pour des fantômes. Ces trucs bizarres étaient juste des dogebots. Vous avez gâché notre chasse aux fantômes. Qu'est-ce que vous nous suivez, quoi?
on suit un entraînement spirituel rigoureux créé par Luna, la méthode lunatique. Voir des fantômes et l'avenir en seulement 30 jours. On est venu développer notre perception des forces invisibles dans les bois. Ce qui est assez compliqué lorsque les forces invisibles sont réduites en miettes. Oh, désolé. Qu'est-ce qui se passe ici? Boris, on était... C'était une question rhétorique. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, dégagez. Oui, chef. Allez, viens, petite sœur. Vous aussi, fichez le camp. Tous ces gens à deux doigts de trouver ma... Hein? Vous perturbez ma chasse aux fantômes. Hé, Mina, ces Dutchbot n'ont pas l'air d'être le seul truc bizarre par ici, quoi. J'ai entendu. Fichez le camp d'ici avant que je me fâche, vraiment. La vache, c'était intense et productif de façon inversement proportionnelle. On devrait aller voir sur le toit de l'école maintenant. Merde, il est où le médecin? C'est toi? Il est parti, le médecin? On dirait... Merde! Bah c'est pas grave, de toute façon j'ai... Bon, on va aller voir infirmière Joël. Infirmière Joël. Le toit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici qui est beau? On cherche le fantôme pousseur. Imagine, t'es tranquille, tu manges un truc en repensant au bon vieux temps. Je dis pas que ça m'est arrivé, quoi. Quand tout à coup, le fantôme pousseur apparaît et te pousse du toit. Je ne crois pas à ces mystères de l'école. On y a déjà été et il ne s'est rien passé. C'est parce qu'il faut invoquer l'esprit, quoi. Il faut dire trois fois son nom. Génial! Et vu que personne ne va le faire, R.A.S. Allons voir ailleurs, ne t'inquiète pas. Je vais le faire, quoi. Et qu'est-ce que c'est que cette galère? Ah, t'en fais pas, Baudruche! On te protégera. Ok, c'est parti. Fantôme pousseur, je te défie de nous pousser. Fantôme pousseur, je te défie de nous pousser. Fantôme pousseur, je te défie de nous pousser. Partez d'ici. C'est tout? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez ou je vous tirerai... Non, pardon. Pousserai du toit. C'est vraiment nul. Quoi? Et qu'est-ce que tu connais un esprit d'abord?
Rien, tu n'as jamais ouvert un seul livre sur la chasse aux fantômes. Quand ils viendront te tirer par les pieds, la nuit ne compte pas sur moi pour te sauver. Du calme, Baudruche. Ils ne t'attraperont pas, en plus, tu dors avec des chaussettes spéciales, oui. T'es sans doute aussi nul en science occulte qu'en dodgeball. Allez, baston. Hop, je change. Mettez sa gueule. Alors, Chahi sa tornade, c'est cool, mais elle fait aucun dégât. Et ça, c'est dommage. J'ai travaillé tellement dur ma technique afin de mieux comprendre les fantômes. Ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Je ne voulais pas te blesser, pardon. N'empêche, ces mystères de l'école sont nuls. Et comment se fait-il qu'elle ne puisse pas prédicer nos attaques? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle n'a peut-être pas encore atteint tout son potentiel astrophysiologique. Vous faites vraiment la paire tous les deux. Ma sœur et moi sommes loin d'avoir le talent extra-lucide de la grande Luna. Raison pour laquelle nous suivons cet entraînement spirituel. Même si ça ne change rien pour vous, puisque les astres ont déjà prédit votre défaite. Ah, possession illégale de Baby Ball. Quoi? Non. C'est pour nous exposer, c'est pour mon exposé. La seule chose à laquelle tu vas être exposé, c'est à une salle de colle. Ah. Oh oh. Hey, halt. Jusqu'ici, on a découvert absolument que dalle. Ouais, on est autant avancé que ma tête est vide. Je veux dire, mon estomac, quoi. En fait, c'est une excellente idée. On réfléchit mieux le ventre plein. Nos neurones ont besoin de... saccharose. C'est donc à ça que sert le sucre artificiel. Allons à la cantine. Ouais, tous à la cantoche. C'est là. Eh, revoilà Nadine. Qu'est-ce qu'elle fait près de cette poubelle? C'est beau. Encore un mystère de l'école. Je viens de me souvenir. Les ailes de poulet mutantes. Elles sont sûrement dans cette poubelle. Ça semble concorder avec tous les autres mystères jusqu'ici. Si tu le dis, on n'a qu'à lui demander. Ouah, je savais que vous finirez par venir, mais c'est trop tard. Vous nous avez peut-être battus jusqu'ici, mais quand j'aurai mangé les ailes de poulet mutantes, plus rien n'arrêtera mon pouvoir psychique. C'est ça le secret de Luna? Attendez, je sais. Ces ailes de poulet mutantes ont dû produire une grosse dose de saccharine en fermentant.
Les connaissances d'Otto en chimie sont vraiment légères. Quoi, tu en veux un morceau? Alors viens le chercher. J'ai un doute, hein, mais bon. Vas-y, mon copain le chat. Dans ton dos. C'est quoi tes balles que t'envoies là? Ya! Yeah. Eh ouais, t'es pris dedans ma gueule. Explosé. Qui a beau? Après, je m'en occupe. Tu gagnes le bonus. Tu gagnes des bonus attributs aléatoires pendant ton ulti-ball. Allez, prends-en une bouchée. On t'a peut-être rendu service. Ces ailes sont là depuis toujours. Je vous l'ai dit, j'ai entendu cette histoire de la bouche de personnes âgées, quoi. On dit qu'après chaque vidage de la poubelle, ces ailes de poulet réapparaissent. Elles sont magiques. Elles ont le pouvoir de t'ouvrir l'esprit. Bien que leur aspect soit franchement dégoûtant. Mais maintenant que vous savez tout, je dois y aller, à la prochaine. Alors, qui va manger ces ailes? Réfléchissons un instant avant de faire quoi que ce soit d'imprudent. Ok, mais je te rappelle qu'on a bientôt un match de tournoi. Très bien, les ailes de poulet mutantes peuvent soit nous ouvrir l'esprit, soit boucher beaucoup de toilettes. C'est moi qui vais les manger. Tu en es sûr? Ouais, j'ai mangé des trucs bien pires que ça quand je travaillais la nuit pour mon gang, quoi. Ça n'a pas dû être facile, mec. Faire le difficile quand on vit une vie de voyou. C'est un goût de poulet et de moisi. Hey, ça va? Je te l'ai déjà dit, Koubou. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois qu'il est en train d'halluciner. Je peux le faire, donnez-moi une chance. Je rejoindrai l'équipe d'Otto. J'obtiendrai d'eux le secret de Luna. Je n'échouerai pas. Je vous avais dit que ce type était des louches. Gagné, Kiabo a encore tout gâché. J'ai eu raison de vous garder à l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? On reprend ses esprits, hein? Non seulement tu n'as pas découvert le secret de cette folle, mais tu as réussi à nous faire démasquer. Beau boulot, vraiment. Non, garde tes explications. Tu vois, on s'est dit que notre équipe avait besoin d'un peu plus de cervelle. Et Chester a été ravi de se joindre à nous. C'est exact, cher coéquipier. J'ai assez de matière grise pour nous tous. Bien parlé, Chester, je crois. Bref, tu ne fais plus partie de notre équipe, Thiago. J'ai hâte de voir le match du tournoi d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Ce Koubou est un vrai crétin. Tu es désolé pour Kiabo, il nous a trahis, Otto. Oui, c'est vrai, mais il a changé, pas vrai? Non, Otto. On ne peut plus lui faire confiance. Je ne trahis jamais mes Aniki. Tu vois, il n'a jamais vraiment été avec nous. On ne peut pas faire confiance à ces voyous. Tu n'as pas toujours été un ange non plus.
je ne me comporte en voyou que très ponctuellement. D'accord, c'est vrai, mais j'ai beaucoup plus de classe. Et si on allait à la place centrale pour voir notre stratégie? Alors, place centrale, c'est où? Place centrale, c'est là. Là. Nous venons vous demander d'arrêter votre enquête. Luna est furieuse contre nous. Vous perturbez notre entraînement. On va donc vous donner un avant-goût du match d'aujourd'hui. Là maintenant est gratos. Bah, c'est gentil. Si c'est gratuit. Alors ça c'est cool. Shai a appris grande agitation. Ta jauge d'ulti se remplit plus vite quand tu n'as aucun ballon. Shai a appris force de la nature. Les tornades de ton ulti envoient maintenant dans ton champ les ballons prisonniers. Baudruche a appris soupape lâche. Ton tir normal devient un tir tournoyant. Eh, Serette, il faut vraiment qu'on arrête de prendre des raclés comme ça. Bah, ils ne sauront pas quoi chercher à la pierre tombale de toute façon. Eh, mais tais-toi enfin! La pierre tombale? Oh non, il va falloir qu'on retourne là-bas, c'est ça? Tout à fait. Ça tombe bien. Je devais m'arrêter chez l'infirmière Joël. Pierre tombale. Alors, qui est entré ici déjà?
Personne ne le sait, c'est un mystère. Et j'espère qu'il ne va pas gâcher le mystère en sortant de terre maintenant. Du calme, inquiétons-nous plutôt de percer le secret de la pierre tombale dont parlaient les filles. Bon, j'abandonne. On ne trouvera jamais de quoi il s'agit. Kyabo saura sûrement en quoi faire. Rappelez-moi ce que je vous ai dit à propos de traîner dans la forêt. Quoi? Mais depuis quand cette forêt t'appartient? Tu as une scierie ou quoi? T'es une sorte de bûcheron? Boto, qu'est-ce que tu fais? J'aime bien les types courageux. On s'amuse beaucoup plus en jouant avec eux. Je crois que je vais utiliser 30% de ma force ce coup-ci. Vampire? Je suis juste ici, grand frère. On a des blaireaux à atomiser. Je ne veux pas être le seul à m'amuser. Tu peux les anéantir tout seul, grand frère. Tu dois être fort. Toi aussi, sœur. Aide-moi à les exploser. Boum, si tu insistes. Bon, si tu insistes. Boum. Alors, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Non mais... Le truc, ça me touche quand je suis par terre, non mais... Attends, dis-moi pas qu'on peut pas gagner. Oh putain, j'ai perdu. J'ai fait n'importe quoi sur ce match. Ah mais... Ah non, mais j'ai pas le temps d'attraper, fais chier, j'avais presque gagné. Ah d'accord. D'accord, je viens de comprendre. Ah, j'ai pas le temps, je le vois pas tirer à chaque fois. Fais chier, j'ai perdu mon... Je comptais sur lui. Ah, je fais n'importe quoi. Mais non, je devais changer de bonhomme. Putain, ça m'énerve.
Bah on recommence hein. Putain, je joue tellement mal, ça m'énerve. Elle est morte en deux secondes. Enfin, bordel. Je dois admettre que votre équipe sait se défendre. Il n'a même pas transpiré. Je suis impressionné, en colère, mais surtout impressionné. Eh, serait, tu veux bien m'expliquer pourquoi tu ne t'es pas donné à fond? Je n'aime pas jouer quand tu es comme ça. Tu n'étais pas comme ça avant. Bon, ça suffit! Tu m'as déçu, ce monde n'est pas fait pour les faibles. Je dois changer d'attitude. C'était vraiment dur, mais... Elle reviendra. Il ne change pas de sujet. Pardon. Je vous avais prévenu, alors maintenant, je vais devoir tous vous atomiser. Quelles sont tes dernières paroles? Super esquive... Super... Esquivaliste... S'expia l'Ilonosius. D'où tu tiens ce menton? Tes lunettes sont vraiment nazes. Comme tout le monde, c'est à force de faire de la gonflette. Et maintenant, adieu. Chiavo! Hein? Là, je suis vraiment impressionné. Je vous laisse vous en tirer cette fois-ci. C'était incroyable, Cabot. Je vous l'ai dit, je ne trahis jamais mes Aniki. Et vous avez été plus loyaux en une journée que beaucoup dans toute leur vie. Vous voyez? Bon, d'accord, il est des nôtres. Yes! Oh, ce coup a été si fort que la pierre tombale a été bougée. Oui, mon dos peut le confirmer. Hey, il y avait quelque chose sous la pierre tombale. C'est une note. Je n'arrive pas à la lire. Laisse-moi voir. C'est un langage codé. Cette illusion... En premier... Puis... Ah, d'accord. Les 7 sont à l'envers. Les I sont les I, c'est... les 1 c'est les I, pardon. Les 3 c'est les E. Donc l'illusion en premier, puis la vraie balle. On dirait des instructions pour une attaque. J'ai appris ce langage quand j'ai eu affaire au Techno Gang il y a longtemps. Mon cerveau surchauffe rien qu'à lire ça. Finalement, la technique de Luna n'est pas si mystique que ça. Tu peux résumer pour nous? Elle utilise une sorte d'illusion pour cacher la vraie balle. On doit juste observer son attaque attentivement pour identifier où est la vraie balle.
téléphone portable. Les rentre dedans et les troisième œil doivent se présenter immédiatement au dôme. Quand on parle de loup. Voyons si tu joues aussi bien que sans tes ruses, Luna. Je passe sur l'infirmière Joël. C'est parti ! On va au tournoi. Salut Otto, je savais que tu viendrais maintenant. C'est dingue, tu devines toujours tout. Bon, on a tous les deux été informés par texto, mais bref, on connaît ton secret. On a trouvé la note sous la pierre tombale. Ah ! Eh bien, tout cela, c'est grâce à ce petit appareil ici. Et je ne crois pas que connaître mon secret vous permettra de me battre. Attends, on va pas se battre avant le tournoi ? Otto, rappelle-toi ce que dit la note. Il faut l'ignorer, l'illusion qui vient en premier. La vraie balle viendra après l'illusion. Tu dois juste adapter ton timing à la défense. C'est si simple que ça ? Va tellement mourir. J'ai même pas besoin de claquer ma super, j'aurais pu claquer ma super. Ça avance bien, on est déjà 35. Et ça ne changera rien, Otto. Votre défaite au tournoi est toujours écrite dans les étoiles. Mieux vaut vous y préparer. Alors c'est quoi, on est quoi, on est en quart, en demi? Je sais même plus en quoi on est. Bienvenue à tous pour ce nouveau match du tournoi scolaire de cette année. Le match aujourd'hui opposera les rentre dedans contre les troisième œil. Prêt à voir mes prédictions se réaliser? Je ne demande qu'à voir. Et moi, je ne demande qu'à voir un grand match qui rapportera à cette école une excellente évaluation à la FID. Faites que ce soit un bon match, faites que ce soit un bon. Et maintenant que le match commence. Dodgeball!
Ah merde, j'ai pas vu. Ah, je suis déçu. Ah non, je voulais pas faire ça, je voulais faire ma super. J'ai juste appuyé sur le bouton tirer, bah c'est pas grave. On la zappe. Oui. Otto a appris lutte pour tes ennemis. Pour tes amis, pardon. Ta force et ton agilité augmentent si tu es le dernier joueur de ton équipe. Mina a appris détermination foudroyante. Les dégâts électriques de ton tir chargé augmentent. Cool. Je crois que personne n'aurait pu prédire ce résultat. Les rentes dedans remportent la victoire. Je n'aurais peut-être pas dû essayer de t'intimider aujourd'hui. L'intimidation n'est pas vraiment une marque d'esprit sportif. Je voulais montrer à tout le monde que je n'étais pas un imposteur. En trichant ? C'est un détail. Au fait, quand vas-tu me payer le module d'illusion que tu m'as commandé ? Ton détail m'a coûté un temps précieux. Attends, donc tu n'es pas extra lucide? J'ai failli manger un vieux morceau de viande tout moisi pour rien. Oh, cette scientifique. Moi aussi, j'ai quelques questions. Où as-tu appris le code des gangs? Le code des gangs? Tu veux dire parler du langage... Anunnaki de la 9e planète, espèce de voyou inculte. Dans un livre de la bibliothèque qui avait l'air super mystique et tout. C'est toi qui vis sur la 9e planète, quoi? L'utilisation d'équipements non autorisés pendant le tournoi enfreint la règle 55.B/3 du règlement scolaire. En col? Oui. Cher admirateur, ne désespérez pas. Ce moment d'isolation forcée me permettra de mieux connaître mon moi intérieur. Vraiment? Évidemment, tu peux précommander mon livre de développement personnel bientôt disponible sur Balmazon. Bon Luna, maintenant tu viens avec moi. Mais qu'est-ce que vous voulez vous deux? Vous vengez de moi avec ces âneries spirituelles? Juste parce que je vous ai dit de ne pas jouer devant le labo, c'est dangereux. En tout cas, j'espère que vous avez compris que c'est la science qui fait tourner le monde. C'est l'unique vérité. Oui, Sorette, oui, Sorette. Dure journée, hein? En tout cas, bravo tout le monde, je suis vraiment fier de vous. Et notre victoire au compteur. Qui va chercher la pizza à l'ananas? Faut fêter ça. En fait, je crois que la pizza, je vais juste en rêver aujourd'hui. Je suis complètement épuisé. Par contre, est-ce qu'il y a un tableau, un truc? Est-ce que c'est marqué quelque part? Non, il n'y a rien. On fait des matchs, je sais même pas combien il y a de personnes.
j'avais dit que j'y retournerais quand j'aurais plus de niveaux. Et on a pas suivi de cours aujourd'hui. On se voit demain. Bonne nuit à tous. Je souhaite une bonne nuit à tout le monde. Oui, bonne nuit. Merci de m'avoir accepté, Nikki. Eh, sans toi, on n'aurait pas pu gagner aujourd'hui. C'est vraiment gentil de ta part, quoi. Tu pleures? Pas du tout. C'est un salut traditionnel utilisé par mon ancien gang, c'est tout. Toute cette horde, c'est mon cœur de racaille qui se livre, mon frère. Faut pas cacher ses sentiments. On se voit demain, Nikki. Tiens, un texto. Félicitations, les rentres dedans. Vous êtes qualifiés pour le match final contre les Dézingueurs dans 2 jours. L'équipe de Boris, le moment est venu. On fera de notre mieux, Otto, j'en suis sûr. Plus ou moins. Ouais, tu as raison, Baudruche. Maintenant, allons nous reposer. Hein, on est en finale. Oui, terminé la journée. Tac. Sauvegarder. Dans 2 jours. Allez, Baudruche, t'es debout? Tu es matinal pour une fois. Ouais, on affronte Boris demain, je n'arriverai pas à dormir. J'avoue, ça m'a rendu un peu nerveux, moi aussi. Les autres doivent nous attendre dehors. Allons les retrouver. Allez, on est parti. Tiens, salut, tu veux bien venir avec moi une seconde? La buanderie? Merci d'être venu, j'aimerais que tu me rendes un service. J'ai prêté il y a longtemps des BD à des gens qui ne me les ont pas rendus. Tu sembles savoir t'y prendre avec les gens. Alors tu pourrais les récupérer pour moi? Sans quoi ma collection de Dodgeman ne sera plus jamais complète. On va aller péter des gueules. Les gens à qui j'ai prêté mes BD sont éparpillés dans toute l'école. Je vais t'indiquer grosso modo où ils sont sur ta carte. Ce texto nous a tous secoués hier soir. Ouais, j'étais trop énervé pour dormir. J'ai essayé d'écrire des poèmes pour me concentrer et me calmer l'estomac. Des problèmes familiaux m'ont inspiré, Aniki. J'ai donc composé une chanson de générique. Une chanson pour toi. Pas sur toi. Et quel rapport avec... Venu de nulle part, c'est Kiabo. Plus vif que le serpent, c'est Kiabo. Mais il lui demandait pas de réfléchir trop. Je me disais qu'on pourrait aller sur un cours pour se faire une bonne séance d'entraînement. Hein? Et mon générique, il ne vous plaît pas? Allez, allez, on y va, hein? Mais d'abord...
personne ici. D'abord, on pète les gueules. Je suis coincé derrière le panneau. Fourré. J'ai pas fait fermer la clé. Chou, il peut crocheter la serrure avec ses griffes. Oh bah c'est génial, on a trouvé. Jolie montre. Et bah voilà. C'est Choi qui peut ouvrir les coffres. Tu peux dire qu'on va se faire plaisir. Tu crois qu'on est dans une simulation? J'ai bien kiffé. Suneko a pris coup rapide. Ton tir chargé sera bien. Voilà. Plus rapidement. Je ne sais pas l'impact de tes attaques sur mon visage. Il m'a paru assez réel. Eh hey, toi, rends le livre. Hein? Ce type veut récupérer sa BD. Tiens. Pas su ce message pour moi. Et voilà. Kiabo a appris grand cœur. Tes tirs chargés réussis te donnent maintenant les bonus d'attributs aléatoires. Kiabo a appris, je me battrai pour toi. Ta force augmente et ta défense diminue tant que tu ne subis aucun dégât. Ah d'accord, d'accord, je veux lui rendre sa BD tout de suite. Bon, on va en profiter hein, pour se soigner. Il est pas là, ok. Il n'est plus là. Ah oui, mais d'abord... Tu n'as aucune chance contre moi. D'accord. Ah
c'est peut-être vrai. J'avais tort. Alors, après ce dérouillage, on va... Baudruche. Nina. Kiabo. Voilà. Est-ce que c'est toujours fermé, ça? Oui. Est-ce que... Là, c'est fermé. Salut! Prépare-toi pour une défaite humiliante! J'ai parlé trop tôt. Là-haut, est-ce qu'il y avait un coffre? Bien sûr qu'il y avait un coffre. Une note secrète. Équipement aussi. Force le renvoi du ballon au membre principal de l'équipe quand tu es dans le dans la prison. Ça augmente la ténacité dans les affrontements. Encaisse une partie des dégâts infligés à tes alliés si tu as assez de PV à offrir. Augmente la force de 35% pendant les 30 premières secondes du combat. Ok. Allez! Infirmière Joël. Je remets mon équipe. Alors, il y en a un sur le parking.
Hors de question que je lui rende sa BD, tu sais combien elle vaut maintenant? Bah ouais, mais c'est à lui, c'est du vol sinon. Mina a pris pile 9. Pendant son ulti-ball, la zone d'attaque a grandi. L'attaque grandit, pardon. Ah, d'accord, c'est la zone de... d'éclair. Oh, bah, c'est cool. Bien sûr, je vais rendre à la BD. Oula, il y a du monde par ici. Faveur toi pour une défaite humiliante. Tu n'as aucune chance contre moi. Oui! Alors, Kyabo a pris lourde charge. Ton tir chargé réduit à présent l'agilité de ton adversaire. Défi? Oui. C'est vrai que j'ai fait le con. J'ai pas vu la voiture. Oh, ça c'est de la violence.
pourquoi je reste devant? J'aurais dû m'entraîner davantage. J'adore les shorts, l'uniforme scolaire est super confortable et facile à porter. Une fan de shorts. Bien, y a pas de voiture. Tu ne m'as toujours pas dit quel habit tu préfères. Tu cherches la bagarre? Non, je l'ai trouvé. Ça s'appelle la justice venue du ciel. Ah ouais, la zone elle est plus grosse. Ça c'est cool. Tu ne m'échapperas pas. Bibou 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 bibou. N'importe quoi, bibou bibou. Non, je suis très nul. Ok, tu peux continuer. Bibou, 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 bibou. Du coup. Vous connaissez très bien, hein, infirmière Joël. C'est exactement comme Pokémon. Hein.
tu te bastonnes, tes Pokémon ils ont bouffé, t'es pas loin d'un centre, et ben voilà, tu te répares. Meilleur team. Alors. Mip mip. Ah, ils ont ouvert le téléphérique. J'ai le dernier cri en matière de technologie dodgeball. Ces petits monstres peuvent te maudire, ce qui t'empêche de regagner des vies. Pardon, la stratégie vient d'en apprendre un coup. Au dur pour toi, en garde. Tiens, tu es maudit. Toi aussi, sois maudit. Ciao, bello. J'aurais dû faire la double, mais bon. J'aurais dû faire la tempête et après... Hadouken! Tu claques là-dedans. Je me demande parfois si je ne suis pas un clone. Intéressant, intéressant. Kiabou, tu as encore changé d'équipe? Tu n'as aucune race. Je me suis fait prendre une volée. Hop. Je te présente mon copain. Il est tombé dans un tourbillon. Où tu ne peux rien faire. Choi, c'est mon gars sûr. Choi a appris grande impatience. Ta jauge d'ultiball se remplit nettement plus vite quand tu n'as aucun ballon. Je plaisantais. Il est mort, on va changer avec... avec lui. Salut, on fait un match ensemble. Oh la volée.
va changer, on va mettre je vais mettre Kiabo. Merci cher monsieur. Attends. C'est fermé? Ah, ça veut dire qu'on peut pas y aller maintenant. Déception de la part de l'homme. Rien ne peut m'arrêter cette fois, c'est dans la poche. Bah, en garde. Ça, je peux. Miaou. Oh, c'est quoi ça? C'est pas propre. Oh, la vitesse, enfoiré. Donne-moi un ballon. Ah non, il m'a tué. Bon, ça se fait qu'on est que deux. Ah. Oh non! J'allais faire ma super! Mm-hmm.
Oh non, je suis mort. Ça me saoule, je suis toujours à la fin quand je dois le... Quand je dois le tuer. Enfin, quand je dois le... Pas le tuer, mais le... Putain, il n'y a plus de vie à chaque fois, ça me saoule, ça. Joli. Oh là là. Je suis en train de perdre, j'ai perdu. Oh, il a annulé son coup, c'est génial. Ça touche rien. Je suis obligé de garder ces deux cons, ça me saoule. Enfin, Shoy encore ça passe, mais c'est Kiabo, il y a clairement pas de force. Oh putain, ça me suit, j'avais oublié.
Oh la super toute pourrie quoi. Je crois que j'ai même pas compris la super. Ou alors je viens de comprendre la super, je sais pas. Comme ça, je suis comme ça. Je rappuie à chaque fois. En fait, il est cheaté son pouvoir. On s'est fait éliminer. Il restait 10 points. C'est pas possible, il m'a resté 10 points de vie, il m'a tué. Qu'est-ce que j'ai branlé?
bordel de nouilles. Oui, la prochaine fois, je serai encore plus fort. Allez. Infirmière Joël, mon équipe et voilà. Oui, c'est parce que Choi il est censé être en. Bah, dans mon équipe. Mais. Mais comment on appelle ça? Non, bah, on va faire ça pour tout. Pour tout futur souci. Voilà. Parce que c'est bon. Je te le demande pour la dernière fois, tu as vu ma soeur ou pas? Non, monsieur Boris! Oh non, qu'est-ce que fait Boris? Pourquoi tant de violence? Oh, il l'a expliqué. Boris, ça suffit! Hors de question de te laisser nous traiter, nous les élèves les moins musclés de cette façon. J'en prends note. Je vais laisser une marque. Ça va laisser une marque, peut-être plusieurs. Et maintenant, votre tour. Voilà, doucement, mon grand, on peut au moins savoir ce qui se passe avant de se faire anéantir. D'accord, parce que tu l'as demandé poliment. Ma sœur a disparu. Quoi? Et alors, qu'est-ce que tu fais là, tabasser les gens au lieu de prévenir le personnel de l'école? J'ai pensé qu'en tabassant chaque élève, je finirais par apprendre quelque chose. Tu devrais plutôt aller voir la surveillante. Je n'aurais pas recours à eux. Je retrouverai Vampy tout seul. On lui donne un coup de main, Otto? On devrait, mais il faut aussi qu'on s'entraîne pour le match. Tu seras capable de t'entraîner en sachant que Vampy a disparu, Aniki? Non, tu as raison, Kiabo. Boris, on va t'aider à la retrouver. Qui a dit que je voulais votre aide? Ça se voit dans ton attitude, arrête d'être aussi têtu. Alors, quand a-t-elle disparu? Elle n'était pas à la maison ce matin. À la maison? On devrait peut-être aller chercher des indices près de chez toi dans ce cas. Hors de question. Écoute, laisse-nous t'aider. Et la tour radio, on pourrait diffuser la disparition de Vampy sur les ondes dans toute l'école. Mais, je ne vous ai pas demandé votre aide. Tu peux continuer à jouer les durs, on t'aidera quand même, Boris. Bien, je retourne attendre à la maison au cas où ma sœur entrerait. C'est la première fois que je le vois comme ça, dépêchons-nous d'aller à la tour radio. Comment on y va déjà? On doit prendre le téléphérique jusqu'au mont d'Oji. Très bien, en route. Ah bah voilà, on va au téléphérique. Comment ça va les jeunes? On fait un tour? Oui, on doit aller à la tour radio. Très bien, quelqu'un avait cassé cette machine en envoyant un ballon un peu fort. Et je viens juste de réussir à le réparer. Elle vous emmènera au sommet du mont Doji, de là vous pourrez vous rendre à la tour radio. Génial! On est parti! Ah ouais, il y a de la neige, il fait froid. Un jus de mandarine. Un jus de cajou. Qu'est-ce qu'il fait froid ici? Où est la tour radio? Je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé non plus. Oh, des touristes. Vous avez l'air un peu perdu. Mais vous avez de la chance, je suis un peu le guide officiel du monde Oji. La tour radio se trouve tout là-haut. Waouh, c'est grand en fait. Attention, le sentier est traître. Mais maîtrisez les sauts et les roulades.
Suivez le chemin et essayez de ne pas tomber. Les albums de Dutchman que j'ai empruntés, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Donc du coup, on va te tabasser la gueule. Proto toujours. Ouais, j'ai du mal avec le fait de rattraper le ballon. Suneko a pris Home Run. Ton ulti ball prend de l'ampleur. Ah bah c'est cool ça. Ah si, ça y est, je me souviens. Dis-lui que je vais lui rendre rapidement. Péter sa gueule, ouais. Ce bâtiment était autrefois un lieu de retenue, mais je crois que le principal a changé d'avis. Il a dû trouver un peu trop cruel d'envoyer des élèves se geler dans les montagnes. Maintenant, on vient se geler volontairement. Eh, hey, tu as froid, mes attaques vont te réchauffer. Pam 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 pam. Otto a appris Témérité infernale. Ton ulti-ball prend encore de l'ampleur et enflamme tous les ennemis. Cool. J'ai déjà plus chaud. Pas monter, donc on ne peut que descendre. Jus de mur. L'entraînement en montagne me rend plus fort. On va voir. Tiens, je te réchauffe. Tiens,
Tiens, Beau, après grande générosité, ta compétence de concentration donne maintenant une plus grande partie de TPV à tes alliés, d'accord. Il est peut-être temps de redescendre. D'accord, je viens de voir. Par contre... Hop! On passe à l'équipe B. Votre équipe a une mascotte? C'est pas une mascotte, c'est un joueur. Alors on a peur. Pardon, je ne savais pas que c'était un membre de l'équipe. Ah bah voilà. Viens quand tu veux. Là où on peut monter, là on peut descendre, ok, on peut monter là. Ah, on peut pas descendre, très bien. J'essaie d'atteindre la tour radio depuis des jours. Si je gagne, vous me montrerez le chemin. Cette montagne me retourne le cerveau. Allez-vous-en, vous ne voyez pas que j'admire la vue. Thank you.
Ouais, ouais, vous avez gagné. Maintenant, laissez-moi profiter du paysage. Alors, pizza ou ketchup? À manger pour gagner 75 de vie. Lui, il adore. Jus de mûre augmente définitivement les PV max. Ranime avec un coéquipier avec 50% de PV max. Augmente définitivement l'attribut technique. Qui a le moins de technique? Suneko. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donne 500 XP. Augmente définitivement le PV max. À manger pour regagner 50 pour... Ouais, ça a l'air bien. Comment on fait pour... Non, c'est pas là. Cette caisse-là qui doit tomber pour que je puisse monter dessus et sauter, mais... Mais comment ? Médicament amer. Là, on peut pas descendre. Je me rappelle qu'ils avaient parlé de la roulade, mais je savais plus pourquoi. Si je pousse cette caisse par-dessus le rebord, j'aurai un chouette raccourci à monter. Voilà. Ok, ça se débloque, ça se débloque. Ça se débloque. Hé, Kabo, donne-moi ce bouillon, je meurs de froid.
Vas-y, je suis. C'est trop injuste. Tu as froid, mais les attaques vont te réchauffer. J'ai fait n'importe quoi, j'ai même pas fait raise mes persos. Lui j'aime bien, et Baudruche là, sa technique elle défonce. Tu récoltes tous les ballons, tu balances tout et... Tu me cherches, tu me trouves. C'est lui que je devrais prendre pour aller faire le tournoi. Belle perf. Par contre, comment on monte? Waouh! J'ai chu. Fait chier, j'étais arrivé.
Voilà, le fameux raccourci. Ah zut, je vais devoir m'arrêter. Est-ce qu'on peut trouver des dodgeballs par ici? Je dois ouvrir ce coffre là-bas. Ah bah attends, je vais le faire pour toi. Câble. Suneko a pris au taquet. Ton bonus de jauge ultime augmente après un contre réussi. Suneko a pris baston. Ton tir chargé inflige des un coup supplémentaire. Attendez, je vais boire juste une petite lampée. Voilà. Que je suis tombé, c'est pas normal ça. Oula, jus de pastèque à la pastèque. Dis-moi qu'on peut se soigner, je me soigne et j'arrête. Alors, quand vas-tu diffuser mes annonces? Je suis prête à payer le double. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas là, je ne suis pas la responsable. Ah bah c'est vendu. Ah bah non, c'est le calamari. Hey, vous là! Les marins d'eau douce, qu'est-ce que vous voulez? Vampire a disparu, on veut passer une annonce à la radio. Nom d'une vieille sardine en boîte! C'est du sérieux, diffusion, le message immédiatement. Un instant. Toute la programmation radio a été préparée minutieusement. On ne peut pas juste interrompre la diffusion comme ça. Bah si, c'est un appel à... Et si on jouait ça dans un match, est-ce qu'on pourrait diffuser ce message à la radio? Ça me semble équitable, mais je ne joue pas. Laissez-moi appeler d'autres élèves. Je suis prêt, Georges. Je ne voudrais pas rater ça, mais attention à notre équipement. Faites ça dehors. Je vais vous aider et si on gagne, diffusez mes pubs Ah zut! J'ai même pas eu le temps de remettre de l'énergie! Ah, pique les ballons, ouais!
Oh merde, j'ai pas vu que j'étais avancé. On a gagné, messieurs dames. Par contre, c'est bien ce que je disais. Shai a pris souplesse féline. Ton tir chargé se charge plus rapidement. Kiyomu, sa technique. En fait, quand le ballon il rebondit, au moment où il allait taper la cible, j'appuyais sur le bouton lancer, donc ça faisait boum, 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 boum. Et après, ça allait de plus en plus vite, mais c'est ouf. Mes pubs ne sont pas prêts pour d'être diffusés, hein. En effet, d'un autre côté, la supériorité physique et tactique n'a rien à voir avec la programmation de la station. Cette victoire ne change rien. Eh, ne modifie pas les règles maintenant, on a gagné le droit de diffuser notre message. Ouais, Boris essaie de le dissimuler, mais il est très inquiet pour sa sœur. La compréhension entre tous les élèves vivants est le véritable quai du succès. Essaie de te débiner et je te cognerai si fort que ton menton chéri ressemblera à une betterave. Je dois admettre que tu as un vrai talent de persuasion. Entendu, tu peux passer leur message qu'à la Marie. Génial, on s'est fait botter les fesses pour des clous. Salut les petits loups. Nous interrompons notre programme habituel pour diffuser un message important. Vampy a disparu. Si quelqu'un l'aperçoit dans l'école, merci de contacter. Merci de contacter Otto si vous l'apercevez, mes petits cachalots. C'était super, merci. La vache, ça a pas traîné. Je fais où se trouve Vampy. Elle est fanfermée. Non. Elle est fanfée. Participer à la réunion de la fofiété secrète du ballon carré. C'est tout feu ce que je peux vous dire. Alors est-ce qu'il savait où aller? Elle est apparemment censée participer à une réunion secrète du ballon carré ou quelque chose comme ça. Ah, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Eh hey, tranquille mec, je connais très bien les carréistes. Je leur ai rendu certains services, ouais. Leur truc, ce sont les rituels chelous, les pseudo-sciences, ce genre de choses. Ils cherchent à prouver une fois pour toutes
que toutes les balles sont en réalité carrées. Des carréistes. Oui, c'est un peu le côté troll des platistes. Dans cette école, quel culot. Ça m'a l'air d'être une belle bande d'imbéciles. La troisième dimension, ça leur dit rien. Bien. Donc, Kyabo, où a lieu cette réunion secrète? Je crois qu'ils se réunissent à présent au sous-sol de la bibliothèque. Bon sang, quelle journée! Ok, il est temps d'aller voir la bibliothécaire. Dévalons cette montagne en roulade. J'ai bien fait de mettre un blouson. C'est vrai qu'il y a toujours du café au chaud pour tout le monde. Pourquoi j'ai l'impression d'être une simple copie de tous les autres élèves? Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Impeccable. Je me demande parfois si je ne suis pas un clone. Cheeseburger. Ah, c'est bizarre, il y a un autre mec qui s'est demandé ça aussi tout à l'heure. Allez, je le tente sans rien. Hé, hey, Kyabo, donne-moi ce blouson, je l'en deux fois. Song 2, c'est cool. Je recommence. Impeccable. Mina a pris circuit fermé. Tes alliés obtiennent un bref effet électrique après ton ulti-ball. C'est trop injuste. C'est là. Bibliothèque. Ok, donc je vais je vais voir l'infirmière Joël. Attendez, je sais plus, il y avait pas un coffre ici. Non, il est où ? Je vais voir l'infirmière Joël.
puis je vais arrêter là. Sauvegarde et puis comme ça on finira la prochaine fois. Je pense que vu que c'est la fin du tournoi, ça doit être le dernier épisode. Sauvegarder. Oui. Sauvegarder écrasé. Voilà. Bon, je vous remercie tous pour d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant. On arrive bientôt. On arrive bientôt à la fin, je le sens. Je pense que c'est le. Dès qu'on va dormir, on fait des trucs. On fait le on gagne la finale du championnat et je pense que c'est la fin du jeu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Pour ceux qui regardent la rediff sur pour ceux qui sont sur le live, regardez en dessous de la vidéo et vous avez accès à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui regardent la vidéo, la rediff sur Twitch, pareil, regardez dans ma chaîne, il y a le. Si vous voulez voir d'autres diffs, il y a le lien pour ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui regardent ça sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas regardez en bas. Enfin, dans mes. Je sais plus où on regarde, mais cherchez, vous savez comment on fait. Il y a ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir. Voilà, je vous dis prenez soin de vous. Et à ciao les amis.